Bonjour à tous. Vous entendez bien? Oui. Allons donc vivre un temps de préparation spirituelle à cette journée de pèlerinage en prenant un temps auprès de Jésus exposé dans le Saint-Sacrement. Je vous invite à vous lever et à nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est toi, Seigneur, le Jésus, tu es là, devant nous, exposé à nos regards.
Seigneur Jésus, tu es là, devant moi. Et dans la foi en ta présence réelle, dans l'Eucharistie, je vis déjà ce face-à-face que je vivrai dans l'éternité. Prenons le temps de regarder Jésus, de le contempler et de nous laisser regarder par lui. Oui, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu et je suis ta créature. Seigneur Jésus, je t'adore. Toi qui es la source de la vie. Toi qui es la source de l'amour. Seigneur Jésus, je t'adore en présence de la Vierge Marie et avec elle. Et nous allons demander à la Vierge Marie de nous prendre chacun sous son manteau, de lui donner la main pour vivre près d'elle, à son école, toute cette journée de pèlerinage. Marie, nous te demandons de nous conduire encore plus près du cœur de Jésus. Nous te demandons, Marie, de nous accompagner encore plus loin dans ce chemin d'amour avec le Christ, sur les voies de la vie éternelle. Vierge Marie, nous te demandons de nous accompagner à vivre encore plus la communion des saints, cette communion avec le ciel, avec tous les habitants du ciel, tous les saints et tous nos êtres chers qui nous précèdent dans l'éternité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus, je t'adore avec tous les anges, avec tous les anges qui t'adorent constamment autour de ton trône céleste. Ils sont là maintenant avec nous.
Dans un temps de silence aussi, nous prenons le temps de nommer tous les défunts que nous portons dans notre cœur et qui sont aussi tournés dans l'adoration vers toi, Seigneur, qu'ils soient encore en chemin de purification ou déjà près de toi dans l'éternité. Dans ce temps de silence, nous prenons le temps de les nommer et de dire, par exemple, avec toi, Pierre, ou avec toi, Thérèse, j'adore mon Dieu. Si des personnes le désirent, des prêtres sont à votre disposition pour des confessions dans les chapelles latérales de la basilique. Et s'il y a des prêtres dans l'assemblée, ils sont les bienvenus aussi pour confesser. Les personnes qui le désirent peuvent s'asseoir. Prenons donc le temps de nommer tous ces êtres chers. Prenons donc le temps de nommer tous ces êtres chers pour lesquels nous sommes venus aujourd'hui. Oui, Seigneur, pour toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur, nous venons auprès de toi puiser la miséricorde en leur nom. Nous voulons te redire notre confiance. La confiance, Seigneur, que tu les sauves. La confiance que tu les attends auprès de toi. Et pour t'exprimer notre confiance, nous te prions avec le psaume 22. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer.
répéter ce verset en disant le prénom de notre défunt. Le Seigneur est le berger de Pierre. Le Seigneur est le berger de Thérèse. Me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par de bons sentiers pour l'honneur de son nom. Il conduit Thérèse par le juste chemin. Il le fait revivre. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe s'emplit de joie. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Oui, Seigneur, nous voulons, après avoir médité ce psaume, te redire notre confiance. Et ensemble nous chantons. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien. Ô Dieu très saint, c'est pourquoi je
continuer à exprimer notre confiance à Jésus. Nous allons maintenant prier des litanies du Saint-Nom de Jésus. Vous serez invités après chaque invocation du nom de Jésus à chanter gloire et louange à toi. Nous prions ces litanies en tournant vraiment notre regard plein de confiance vers Jésus hostie. Chemin.
apprenions à garder le silence en présence de Jésus Eucharistie. Pour les personnes qui arrivent, nous indiquons que des prêtres sont disponibles pour des confessions si vous le désirez. Nous restons dans ce climat de confiance en présence de Jésus. Nous lui offrons notre confiance. Au nom de tous nos défunts. Par l'intercession de la Vierge Marie et par l'intercession aussi de Saint Martin, sous le vocable duquel est placée cette journée de pèlerinage, nous allons dans la charité prier pour différentes situations de défunts, afin qu'il, par l'intercession de Marie, qu'il puisse rejoindre cette gloire du ciel. Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, nous te confions tous ceux qui sont partis brutalement, sans avoir eu le temps de se préparer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère, nous te confions tous ceux que nous n'avons pas eu le temps, avec qui nous n'avons pas eu le temps de nous réconcilier avant leur départ. Et dans la foi, dans cette communion des saints, nous savons qu'il n'est jamais trop tard pour entrer dans ce chemin de réconciliation, de pardon. Te demandons, Marie, de pouvoir vivre cette grâce, de nous ouvrir à cette grâce de réconciliation avec tous ceux avec lesquels nous n'aurions pas eu le temps de nous réconcilier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère, et de Saint Martin, nous te confions tous ceux qui sont partis dans la solitude, abandonnés de tous. Peut-être en connaissons-nous. Nous pouvons les présenter par leur prénom à Jésus. Nous confions aussi tous ceux qui sont morts dans la solitude, en particulier pour tous ceux qui vivent dans la rue. Tous ceux qui sont sans famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Martin, nous te confions tous ceux qui, dans un acte de désespérance, ont mis fin à leur jour. Nous prenons aussi le temps de les nommer. Nous te confions particulièrement tous les jeunes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La miséricorde. Vierge Marie et de Saint Martin, tous ceux que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qui ont mené une vie dissolue, qui se sont liés à certaines pratiques contraires à la foi. Nous te demandons, Seigneur, pour eux, cette conversion ultime à l'image du bon larron. Qu'ils puissent se jeter dans les bras du Père miséricordieux et entendre cette parole de Jésus. Aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus, à ta miséricorde,
par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère, et de Saint Martin. Nous te confions tous ceux qui sont partis dans de grandes souffrances physiques ou morales. Qu'ils puissent goûter auprès de toi, Seigneur, cette consolation éternelle. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La miséricorde du Marie et de Saint Martin, nous te confions toutes les victimes de la violence et de la guerre, particulièrement en Syrie, pour toutes les victimes de la persécution de nos frères chrétiens, en particulier au Moyen-Orient et dans bien d'autres pays du monde, tout particulièrement aussi pour nos frères et sœurs d'Irak qui sont aujourd'hui représentés par quelques membres de chrétiens d'Irak aujourd'hui dans notre assemblée. Seigneur, nous te prions pour la paix dans tous ces pays. Et nous te demandons, Seigneur, des grâces de force, d'espérance pour tous ces frères chrétiens. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, à ta miséricorde, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Martin, nous te confions toutes les victimes des catastrophes naturelles, en particulier pour ces milliers de victimes de ces derniers jours aux Philippines. Nous te prions pour toutes les victimes aussi de la pauvreté et de la faim dans le monde, pour toutes ces personnes qui, l'autre jour, aussi récemment, ont péri de faim et de soif dans le désert, tous ces migrants, et nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs de tous ces pays pauvres, en particulièrement en Afrique. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La miséricorde du Seigneur a jamais la chanterai.
Jésus, à ta miséricorde, par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Martin, nous te confions tous les petits-enfants dans le sein de leur mère qui n'ont pas vu le jour. Nous te demandons, Seigneur, aussi des grâces particulières pour leurs parents, pour leurs mamans. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, à ta miséricorde, par l'intercession de Marie et de Saint Martin, nous te confions tous ceux qui, en ce moment, s'approchent de la mort, tous ceux qui, aujourd'hui, vont vivre ce grand passage de la mort. Nous les confions à ta miséricorde, afin qu'ils pensent à prendre la main de Marie pour vivre ce passage vers le Père. Et nous te demandons, Seigneur, de mettre à leur côté des personnes capables de les entourer dans la compassion, dans l'amour, pour s'abandonner entre les bras du Père. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Jésus, à ta miséricorde, par l'intercession de Marie et de Saint Martin, nous te prions ici tout particulièrement à Montlégion, dans les Landes du Père Buguet, pour tous les défunts pour qui on ne prie jamais, pour tous ceux qui sont oubliés, tous ceux pour qui on ne célèbre jamais de messe. Seigneur, nous voulons t'offrir cette messe qui va suivre et toute notre prière aussi d'aujourd'hui pour tous ces défunts oubliés. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Jésus jusqu'au tabernacle. Notre temps de préparation touche à sa fin. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux.
et du Fils et du Saint-Esprit.